Salut tout le monde, c'est Arkel avec Étrange, j'espère que vous aimez en partout jeu. Et bien, donc sur cette raison, on va commencer un petit épisode juste pour vous montrer le pass de combat de la saison 4 de Fortnite Battle Royale. Alors, quand je tiens à vous dire que quand vous achetez le pass de combat, vous débloquez directement le skin Thor, comme ça, voilà. Mais évidemment, juste le skin Thor sans le marteau. Après, vous prenez ce que vous voulez. Après, vous gagnez ceci. C'est quand il descend sur Terre, enfin, quand vous planez quoi. Ça c'est un arrêt au sol, tranquille. Ça c'est des VV gratuits pour tout le monde. Pour ceux qui sont pas assez ou qui ont pas, enfin pour ceux qui n'ont pas le pass de combat et qui leur manque 100 VV ou un truc comme ça, vous pouvez les avoir gratuitement et après l'acheter. Là c'est la cape de Thor qui va avec le skin, voilà comme ça. Voilà. Après c'est un planeur. Voilà. Après c'est la bannière avec le marteau de Thor avec le menhir. Et là c'est le menhir. Plutôt pas mal hein. Franchement. Ça c'est. Bah je l'ai eu mais c'est. Comment ça s'appelle? Un écran de chargement. Voilà, plutôt pas mal, plutôt pas trop mal. Ça c'est un skin d'arme. Voilà. Ça c'est le panneau. Avec le truc de Thor au-dessus. Ouais. Ça c'est des V-Bucks, mais c'est écrit gratuit pour quand c'est gratuit, mais voilà. Ça c'est un émoticône. Ça c'est un planeur. Genre vous planez avec. Ça c'est une émote. Mais faut faire les défis pour l'avoir. Enfin pour ceux qui ont de poste de combat. Ça c'est un skin d'arme. Voilà. Ça c'est un aérosol. Ça c'est une chanson. Bon, je peux pas l'écouter malheureusement, mais non, je peux pas. Là c'est encore des V-Bucks. Là c'est encore un écran de chargement. Là c'est le planeur de She-Hulk, je crois. Ouais. Là c'est Jennifer Walter. Walters ou Walter, ça dépend les gens comment ils l'interprètent. Et c'est She-Hulk en fait, pour ceux qui se demandent au cas où. Ça sera gratuit pour tout le monde. C'est un sac à dos. Ça, c'est une bannière. Ça, c'est les pioches de She-Hulk. Attendez, je vais vous faire montrer la deuxième. Voilà, la deuxième variante. Voilà. Ça, c'est encore des V-Bucks. Ça, c'est un écran de chargement. Ça c'est un nouvel icône, voilà comme vous pouvez voir. Ça c'est sa fusion, enfin sa transformation quoi. Attendez, je vais vous le faire remontrer. Voilà. Ça c'est bah, de la lumière. Ah non, c'est écrit lumière de la sève. Mais c'est une traînée. Ça c'est des V-Bucks. Ça c'est le sac à dos de Groot. Il est grave beau, enfin je kiffe, je surkiffe même. Je suis pressé d'arriver là pour le débloquer. Ça c'est gratuit pour tout le monde. Bon, c'est encore écrit, mais bon, comme ça vous le saurez. C'est un skin d'arme. Ça c'est un aérosol. Ça c'est encore une chanson. Ça c'est une bannière de Groot. Ça c'est la pioche de Groot. Et voilà sa deuxième variante. Ça c'est Groot. Plutôt pas mal. Ça c'est le planeur de Groot, ça c'est un émoticône de Groot, ça c'est des V-Bucks, ça c'est le planeur de Groot, ça c'est un aérosol, ouais, ça c'est un écran de chargement, ah oh, plutôt pas mal, hein. Il est vraiment plutôt pas mal, oh Raccoon, ça c'est la bannière de Raccoon, et voilà, là c'est les deux fusions, ah ouais toi aussi. Ça c'est des V-Bucks. Ça c'est un skin d'arme. Bon, ça c'est un émoticône. Ça c'est la traînée de Tornade, je crois. Ça c'est la bannière de Tornade. Ça c'est des V-Bucks gratuits. Ouais, c'est Tornade. Plutôt pas mal. Ça c'est le planeur de Tornade. Ça, oh!
c'est l'outil de collecte, pas mal. Ok. Bannière de chargement, enfin un écran de chargement. Ça c'est tornade, enfin tempête. Ouais bon voilà quoi. Ah c'est un planeur. Ça c'est un aérosol. Ça c'était les bugs. Ça c'est une émote. C'est une danse. C'est une musique. Ça c'est un émoticône. Ça c'est la bannière de comment il s'appelle, Fatalis. Ça c'est la pioche de Fatalis je pense. Avec une, il n'y a qu'un seul. Bon dommage. C'est des bugs. C'est le skin d'armes de Fatalis. Ça c'est Fatalis, plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal. Ça c'est le sac à dos de Fatalis. Ça c'est le planeur de Fatalis. Bon je sais, on dirait un mongol en train de répéter tout, mais bon, c'est comme ça au cas où je serais. Il est plutôt pas mal, hein. Ça c'est des bugs. Ah, planeur. Pas trop trop mal. Hein. Ça pour ceux qui le veulent, c'est un écran de chargement bien évidemment gratuit, c'est écrit. Ça c'est la traînée de Dr Fatalis. Ça c'est son sac, ça c'est doit être une émote, ouais une émote. En fait il s'agit juste sur son trône. Ça c'est. Comment ça s'appelle déjà? Mystique. Ça, attendez, je voulais pas montrer. Voilà. Pas trop trop mal. Ça c'est une émoticône. Ça c'est une bannière. Ça c'est des V-Bucks. Ouais. Ouf, j'aime pas trop. Mystique par contre, elle est bien. Ok. Oh, plutôt pas mal. Ah, ça c'est les pioches de Mystique. Ah, oh, bien, 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 très très bien. Ça c'est gratuit pour tout le monde. Ça c'est le la traînée de Mystique. Ça c'est le skin d'armes de Mystique. Ça c'est l'évolution, enfin l'apparence. Oh, Tony, enfin. C'est un écran de chargement de Tony, enfin de Iron Man. Des V-Bucks. Ça c'est, ça doit être un accessoire de dos, un sac à dos. Ça c'est la bannière. Ça c'est un skin d'armes. Ça c'est des V-Bucks. Ça c'est Tony. Plutôt pas mal. Hein. Ça c'est le planeur. Attendez. Pourquoi ça fait ça, ça pardon. Ouais, ouais, j'aime pas trop le planeur là. Après chacun ses goûts mais voilà. Ouais. Bah c'est pas trop, c'est pas trop mon style de truc. Ça par contre ça c'est bien ça. Emoticône. Ouais. Ok. Ok, c'est un V-Buck. Et là c'est la tenue de notre Iron Man, voilà, plutôt pas mal. Donc ça c'est les tenues de, comment il s'appelle, Wolverine. Donc vous avez ça. Après vous aurez ça. Ah lui, ça c'est beau. Là ok. Ça c'est la tête d'un, comment il s'appelle, d'un robot, tout simplement. La sentinelle pardon, le skin d'arme qui est pas mal du tout. Ça c'est le planeur, voilà. Ça c'est Wolverine, pas mal. Ça c'est une émoticône. Ça c'est une bannière. Ok. Les griffes et ça c'est les variantes des skins. Donc par exemple moi je pourrais l'accomplir si je finis les défis de la semaine 1 et 2, parce que du coup il y en aura passé dans la 1, je pourrais obtenir L niveau 53. Et si vous faites les défis, lui pareil, la variante,
la variante aussi de Fatalis. Et la variante de Mystique qui est pas trop mal, hein. Enfin qui est très très bien, j'adore. Et je vais faire montrer un autre truc, c'est quand on va dans les casiers, voilà. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne déjà? Oui. Si vous faites le top 1, ça vous normalement, je crois que vous l'aurez gratuitement. C'est le puissant parapluie de Marvel. Qui est pas trop mal, hein. On reste pas trop mal. Ouais. Allez, go le mettre dans les favoris. Hop, hop, hop. Ça aussi. Non, pas ça. J'aime pas trop. Regardez, tous les skins sont là. Tous les skins de ça. Là. Enfin, tous les skins du planeur, par exemple. Et pour la danse là, faut accomplir les défis. Enfin, il faut accomplir tous les défis, quoi. Voilà, et bien voilà, cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas les gros pouces bleus qui font dans les amis, ça me fait toujours plaisir. Et bien moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.